Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous commençons par une exposition à la chapelle Sainte-Anne à Tours. Trois artistes, chacun dans leur domaine respectif. La photographie, la peinture et la sculpture nous plongent dans un univers mystique où les peaux et les chairs se mêlent. Pour les plus sportifs, la marche des dauphins se déroule ce dimanche à Vénier. Un temps beaucoup plus clément est attendu pour cette 29e édition. Quatre parcours sont proposés, 19, 13, 9 ou 6 km. Rendez-vous dès 8h30 à la salle des fêtes de Vénier ce dimanche. Samedi soir, le bateau ivre accueille la rencontre entre le soliste Bob Minzer et le trompettiste Nicolas von Meer. Un échange apparemment improbable et pourtant bien réel entre le gospel et le jazz à découvrir dès 21h. Toujours côté musique, cette fois à Montlouis-sur-Loire, un groupe un peu particulier, Homme, se produit à l'espace Ligeria ce vendredi dès 20h30. Signe distinctif, pas d'instrument de musique, seulement la voix. La commune de Saint-Avertin accueille pour la deuxième année consécutive le Salon du Développement Durable ce week-end au château de Cangé. Petite nouveauté cette année, le bien manger. Rendez-vous ce samedi et ce dimanche entre 10h et 18h. Enfin, l'escale à Saint-Cyr-sur-Loire propose une exposition de la peintre Catherine Barthélémy jusqu'au 28 janvier. Pour sa première exposition depuis son ouverture, l'escale a choisi une artiste tourangelle qui expose un peu partout dans le monde.